Ready Fighters, c'est le Get Ready Fighters, c'est la réplique de Street Fighter Alpha 3. Voilà, ça résume parfaitement la licence Street Fighter. Shoryuken, Hadoken et Shoryurepa, à peu près les trois seuls mouvements que je maîtrise bien dans Street Fighter. Camaraderie. Le fait voilà, de pouvoir jouer avec ses copains. Potes, parce que du coup j'ai joué avec des potes et c'est toujours sympa. Nostalgie, parce que c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai grandi. Troll, parce que forcément, quand on gagne, on n'hésite pas à chambrer gentiment l'adversaire. Puis l'addiction aussi, parce que c'était aussi l'un des jeux auxquels je jouais le plus, vraiment à l'époque. Donc c'est vraiment l'un de mes jeux de l'adolescence. Mauvaise foi, parce que moi quand je perds, je dis que c'est le stick qui déconne. Je pense que j'ai joué à Street Fighter toute ma vie. Je dirais tout simplement, pas gros point. Combo, combat. Forcément Chun-Li, parce que c'est mon personnage. Et fun, parce qu'au final c'est fun quand même. C'était un kiff. On s'éclate avec ses amis, c'est facile. On sort la console et on s'amuse. Convivialité, rigolade et poutrage. Ça n'existe pas comme mot, mais tant. Mythique, parce que c'est vraiment une saga incroyable qui a marqué toute une génération de joueurs. E-sport, convivialité et pièces. Emblématique, parce que quand on parle de jeu de combat, c'est vraiment Street Fighter qui vient en premier dans les esprits de tout le monde. Originalité, parce que c'était vraiment une grande nouveauté dans l'histoire du jeu vidéo. Je dirais personnage mythique. Et pour mon troisième mot, je dirais Hadouken. You win. Perfect. C'est difficile, en trois mots. Laisse-moi réfléchir.